je suis pas un Jedi. Mais... Oh là 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 là. Elle est lourde, elle est lourde. Ça va en vrai, ça pèse un peu. Hein. Un maître Jedi. 175 euros. Gros, je suis à deux doigts d'en acheter une client. T'as à deux doigts d'en acheter une. Hein. Hey, maître Jedi. Viens là. On a pas mis le coup. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Là. C'est méchant celui-là. C'est méchant. Les casques ils sont magnifiques. Hein. Les casques ils sont méchants. Ah ouais? Ah, les casques ils sont méchants de fou, frère. Je vais revenir. C'est méchant. Franchement, c'est bien fait de ouf. J'ai envie d'en mettre un sur ma tête et courir avec, mais je pense que ça va foutre la merde. Le gars nous a laissé rentrer dans le stand de K2000. Je crois pas. Tu peux vérifier encore sur ton départ. Oh là là. Ouais, c'est incroyable. Après date tes admissions hier au soir. Les gars, c'est la voiture des K2000, les gars. Oh là 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 là. Wow, le taxi les gars pour les anciens. Oh, il y a la voiture de taxi juste derrière. Okay. Mais parle. Eh ouais, pas. Ah, c'est comme dans la série. Et là, à peine tu sur la route, mon ami. Ah ouais. Méchant les gars. Je sais plus. On a de la chance, on est là avant tout le monde les gars, c'est-à-dire qu'on peut profiter avant qu'il y ait du monde. Parce que là normalement on rentre pas. Ouais. Avec le petit maillot de Marseille. C'est méchant, on a eu des rushs de fou. Waouh. J'avoue, je l'ai trop mal filmé, mais vas-y. Je suis en train de découvrir le stable, les gars. C'est dingue. Waouh, tes mains. Gros, on va faire une Y a personne, viens, y a personne. Regarde les gens devant en train d'attendre. Regarde les gens qui font la queue. Viens, attends. Je vais vous montrer juste avant. Parce qu'on peut profiter. Ah, regarde, juste là, ils sont tous en train d'attendre devant, regarde. Je le mets juste là. Regardez les gars, les gens ils sont là, ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre. Et nous on est là. Et nous on est là. Attends, faut le mettre. Les gars, on va jouer à ça là. Alors, regardez, à tous les personnages Marvel, c'est une folie. La vie c'est une folie. Ça regarde là, il est méchi carrément. Avec le stable, avec le stabilisateur, ça dérègle un petit peu, mais c'est méchant. Mais au moins là, ça sera bien pour regarder les vidéos pour vous. It was like The Wire. I remember meeting characters from The Wire when I was a kid and just completely loved it. So yeah, it's nice. It just gives me opportunities to be able to go and play different parts and then sometimes play parts in the same kind of vein. But at the end of the day, I'm just very grateful, extremely grateful.
What I'm going to do is I've written a few questions because I get quite distracted, and then I'm going to translate it in French. Don't worry, you don't have to speak French, okay? So my first question is to you, Alfie. How has playing a character with such complex moral ambiguity influenced your perspective on human nature on the perspective of good and evil? Bienvenue, welcome to the stage. Thank you. I'm assuming, and it's fine if you can't, but I'm assuming you don't speak French. No. No. That's fine. Sorry. I'll do a little bit of translating as we speak, so apologies if the rhythm is a little bit weird during the conversation. Thank you for being here. I appreciate it. I'm going to go straight into some weird questions, okay? First question to you, Seth. The father is... C'est lui l'artiste, les gars. Pinchlat. 5 ans. Boudin. 5 ans. Les gars, c'est lui l'artiste de tout ça. On. Ok. Donc, c'est lui qui a fait ça, les gars. Cette pièce-là, c'est lui qui l'a fait. Incroyable. Dans le vaisseau, frère, c'est une dinguerie. Une signature là.
vais essayer. Ça va? Attends, fais des filles. Là, je vais essayer. Thank you.
à côté. Hein. Ouais, juste à côté là-bas, là, la vitre. Du coup, c'est pour l'acteur de Boba Fett. Là, juste derrière, il y a l'acteur de Boba Fett. Juste derrière ça, les gars. Et on a pas réussi à l'avoir. Franchement, j'ai réussi à avoir 2-3 personnalités, mais Boba Fett, regardez mon film, les cosplays, tout ça. Là, c'est que pour Boba Fett, tout ça. Les gars, je me suis fait plaisir. Là, je vais vous montrer 2-3 trucs. Là, c'est pour mon plaisir personnel. Ça, en plus, cherchais depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça ici. Les gars, ça, c'est méchant, méchant. Les BD. Donc ça, là, j'ai 2 versions américaines et 1 version française. Parce que la version française que j'ai, elle coûtait hyper cher en version américaine. Donc là, c'est une version américaine. Thor, vous savez déjà. Thor. Et là, c'est celle-là. Ça, la version américaine, elle coûtait cher. Du coup, j'ai pris la version française. Du coup, on a négocié, il nous a offert ça. Bon, ça, c'est pas un truc que je vais collectionner ou quoi, mais... ça fait ancien, j'aime bien. Voilà, les gars. Ça, c'est le début d'une collection. Et j'ai pris quoi aussi ? Docteur Strange, incroyable. Dites-vous là, c'est ma première figurine hein, pour mon nouveau setup. Première figurine, donc là c'est le début d'une grande collection. Les gars, je l'ai fait craquer, je l'ai rentré dans mon délire. La vie, je l'ai rentré dans mon délire, je l'ai fait craquer. Et là-bas avec le vendeur, il va se faire plumer. Comme je me suis fait plumer. Ah méchant. Regarde. T'en as pris combien là alors? Superman. Superman est là. Regarde. Et ça, c'est Doomsday, ça. Ouais. Bing Bing Bang Bong. Superman tombe. Superman de la mort. Là, il perd la valeur. Superman. Il dit, non, non, où est-ce qu'il est, Doomsday? Non, c'est bon, tu l'as sauvé. Et hop, patata, patata. Il court, hein. Et il meurt. Il est mort. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est la fin. Hop. Quand Superman est mort, 75, 3 ou 4 mois plus tard, il le relance et il y a 4 personnages. L'Eradicator, Man of Steel, Cyborg et Superboy. Et Superboy. Cut, ça s'appelle ça. C'est bon. Et après commence le numéro, voilà. C'est avec un poster. Ah, il est méchant, le voilà. Okay. Ça je l'ai en cyborg. Et j'achète. Ça il y a celui qui est là. Il y a 15 celui-là. Voilà. Le cyborg. Alors, cyborg, bah, cyborg c'est. C'est le. Oui, exactement. Voilà. C'est bon, et bah, il était celui qui t'en va. C'est bon, il est là. Yeah, c'était FDL équipage, les frérots. Je suis dans les vlogs, je suis dans les rushs. Je suis dans le BM, elle veut que je vienne chez elle. Elle veut que je vienne chez elle. Elle veut que je vienne chez elle. Elle m'appelle mon cœur alors que je l'appelle.